In alhamdulillah, wa salat wa salam wa rasulillah. Nous continuons avec nos leçons. Et avant de continuer, Mourezi Ali, quand il y a un lien pour rentrer, il bizarre rentrer. Pas obligé qu'il m'a venu, il dit qu'il y a rentrer. Il a une nouvelle avec un enfant. Il dit qu'il y a pas rentrer. Il y a une nouvelle deuxième fois. Faut des mots ménageux pour que je haut, les là qui se rentrent. C'est pas bon manière. Hein. Qui nous apprend de tout ça, Joulan, puis apprend de Marasana? Hein? Bon manière. Hein, mais la bon manière, ça? Parents de l'air, et je t'ai la montre, man grand, je te connais très bien avec eux. Mais fini, j'ai eux qui l'air pour rentrer. Alors, comme punition, demain, tout man grand, papougain, brique, poil, joué. Vous comprenez? Je vais finir de dire, pas venir plaigner avec moi demain, personne pour une main grand pas pour gagner, break poisson boule de haut. Correct? Bon, nous venons avec l'histoire d'aujourd'hui concernant Hafsa radiallahu anha. Hafsa radiallahu anha, comme il y a une petite cause, un petit bout de l'oli, concernant Aisha radiallahu anha. Hafsa radiallahu anha, c'était c'est fille de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est qui c'était? Deuxième calife de l'islam. Deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est marié avec Hafsa radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est marié avec Hafsa. Et Hafsa radiallahu anha, quand ce monsieur a fini un mot, Omar ibn al-Khattab c'est-à-dire Uthman ibn Affan, pour que Uthman ibn Affan marié avec ce fille. Mais Uthman ibn Affan, il n'est pas marié avec lui. Il n'a Abu Bakr radiallahu an, Abu Bakr radiallahu an, il vient rester tranquille. Et Omar ibn al-Khattab disait, ça fait n'importement, me plus blessé. Parce qu'Abu Bakr vient rester tranquille. Mais après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient envoyer des man pour marier avec Hafsa. Et certainement, Omar ibn al-Khattab est bien content. Et là, un jour, Omar ibn al-Khattab lui dit avec Abu Bakr. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu dit Ali, vous finissez entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il a envie de marier avec Hafsa. Et vu qu'il m'a dit comme ça, le prophète si dit ça, m'a dit écoute ça, m'a dit donne ça, ou ça, le prophète si dit avec lui, ah ben moi, je ne peux pas dire à toi non rien parce que mon garde secret du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Ali, si. Mon parti comme ça, certainement, moi tu peux accepter tout demande. Moi tu peux accepter tout demande pour qu'il marie avec toute fille Hafsa radiallahu anha. Et Hafsa radiallahu anha, avant, quand il s'est marié, ce premier monsieur, il n'a pas tiré aucun enfant. Et quand il fut marié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là aussi, il n'y a pas fini de gagner des enfants. Moi, nous connaissons le prophète pas fini de gagner des enfants avec Saban madame, excepté Khadija radiallahu anha et son esclave Maria. Moi, je vous ai expliqué la dernière fois. Et quand il fait un nikah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a à peu près 21 ans. Il a dit 21 ans et le prophète il y a 56 ans. Et Hafsa radiallahu anha, il y a une madame qui est intelligente lui aussi. Il y a une madame qui peut faire beaucoup d'ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce grand camarade c'était parmi les autres madame du prophète. Aïcha radiallahu anha. Qu'est-ce qu'il y a Aïcha? Allez, viens prendre ce gâteau là. Bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il continue vivre
après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en l'année 41 ou 45 Hijra, les fin mort à Medina, et c'est à l'époque là, Khalifa Marwan, c'est lui qui finit faire ce salat janaza. Mais quelque chose c'est qui nous connaît concernant Hafsa radiallahu anha, c'est qui Hafsa radiallahu anha, quand le prophète Timo passait dans le Coran, cette personne passait écrit le Coran dans un livre, dans la forme d'un livre, personne passait écrit. Mais chacun peut écrire un petit bout, un sahaba. C'est un surah, il y a des surahs, il y a plusieurs surahs côté. Mais le Coran dans un seul livre, quand le prophète est vivant, tu es dans ça? Quand le prophète fin mort, dans l'époque qui Abu Bakr radiallahu anhu était khalifa, finit dans la guerre. Dans une guerre, la guerre de Yamama, qui n'arrivait, finit dans beaucoup, une cinquantaine, à peu près 50, 70 personnes qui connaissent le Coran par cœur, Quand on a fini le mot, Omar ibn Khattab, il vient avec Abu Bakr, il dit, oh Abu Bakr, nous visons compiler le Coran. Si là c'est en la guerre, commencement de l'islam, juste après l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une PSI, une cinquantaine de ban hafiz, et demain qu'on prenne encore les autres de la guerre, mais si nous continuons PSI encore ban hafiz, c'est lui qui connaît le Coran pas? Pas que. Alors, il dit, nous visons compiler le Coran. Abu Bakr radiallahu anhu, commencement, il n'est pas trop d'accord avec ça parce qu'il est dans l'époque le prophète patina. Mais après, Omar ibn Khattab explique que ça, ce n'est pas une nouveauté d'ordine, ce n'est pas une petite chose nouveau qui peut amener, mais ben Sahaba, si des gens peuvent écrire, il n'a pas écrit 2, 3, 4, 10 surahs, il n'a pas écrit 10 siparas, mais personne ne peut écrire complète. Mais sinon, tout ben Sahaba, chacun finit écrire, bout par bout, chacun écrit ce qu'il a envie. Alors, ce qui nous peut faire, nous peut juste compiler tout ensemble, mais il n'y a pas une nouveauté. Abu Bakr radiallahu anhu, il comprend ça. Alors, ce qu'il finit faire, il appelle Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, et il finit dire qu'il peut compiler le Coran. Au commencement, Zayd ibn Thabit, il n'est aussi pas trop d'accord, pareil comme Abu Bakr, mais après ça, il finit d'accord, il finit compiler le Coran, il écrit ça. Ah. Quand il écrit ça, ça, N copie là, qu'est-ce qui s'en a l'idée? Non. Au commencement, de l'époque Abu Bakr. Non. Mais prophète finit mort de l'époque Abu Bakr. Non. L'idée qu'on Abu Bakr radiallahu anhu, parce qu'il l'idée Khali, l'idée Khalifa. Et Abu Bakr radiallahu anhu, avant l'idée mort, l'idée finit dire qui s'en a pouvé une Khalifa après lui? Omar ibn Khattab. L'idée Omar ibn Khattab pouvait une Khalifa. C'est-à-dire, sa copie Coran là qui s'en a l'inalé l'inalé que Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab nous t'y passe l'eau là la dernière fois quand nous cause concernant Omar ibn Khattab qui t'arrive lui comment il s'y mou banna t'y poignot banna t'y poignot est-ce qu'il t'y fini décide les fini dire qui s'en a pouvé un khalifa après lui c'est pas t'y dire c'est qu'on n'y pas dire c'est pas connu. Alors, sa Coran là, c'est qui c'est dans le côté, sa copie Coran, c'est dans le côté là. Mais le Sahaba, à qui ça n'a pas fini de ça? Non? Autrement, parce qu'on connaît, vous venez Khalifa. Omar, il finit mort. Ben, il a fini de avec Hafsa, radiallahu anha. Qui fait son quitte avec Hafsa? Parce qu'il aime. C'est lui, petit fille de Omar ibn Khattab, et deuxième, les prophètes sont madame. À cause des prophètes sont madame, mais sur la case, c'est comme si le prophète sur la case. Alors, ce qu'il vient faire, ben, il a fini de lire le Coran. Sa copie Coran a tiré ça avec Hafsa radiallahu anha. Après ça, quand Ousmane ibn Affan, il fin vin khalifa, il fin continue de dire Hafsa pour God, God Coran a côté. God Coran a côté. Alors, si il y a un Coran, il y a un Coran, mais
dans l'époque Ousmane ibn Affan, je te rappelle moi tu dis dans l'époque Ousmane ibn Affan, il dit ban territoire musulman qui est bien grand, il a parti la Russie en haut, il a jusqu'à la Chine, il a les autres même pays comme Afghanistan, Pakistan, tout ça, c'est qui est connu comme le Sindh à l'époque là, et même dans l'Afrique, l'islam tu finis propagé. À ce que l'islam finit propagé, un jour tu es un sahabi, Hudhayfa ibn Yaman, quand il est dans un endroit, il est en train de dire le Coran, il trouve comment dire, ben n'a pas fait, ben erreur. Ben erreur, qui fait ça? Parce qu'il s'abat du monde là, et non, c'est pas arabe. Quand je peux lire le Coran, je peux essayer de lire, pareil comme de nos jours. Et là, une personne nous dit en français. Quand un français lit anglais. Quand un français lit anglais. Et là, nous ne trouvons pas drôle. Hein? Ou soit quand nous donnons, par exemple, un Indien dans l'Inde, lit cause anglais. Ou soit cause français. Il n'est pas drôle. Hein? Et, par exemple, dans Maurice même, si nous allons dans certaines places, certains endroits, nous trouvons qui Enajibun, par exemple, ou alors Sudan, Kadbol. Et là, nous, pour lui, nous disons 4 bonnes. Mais, ben, je vous là-bas, il y a qui se dit 4 bonnes. Hein? 4 bonnes. Je prononce les plus bien. À ce moment-là, dans certains autres endroits de la campagne, ben, là, dans la place, je dis, il y a, ouais, l'homme qui dit la main. Hein? C'est qui fait parce qu'ils ont cause certaines, les autres bonnes langages, et quand je cause créole là même, comment dire créole là, il y avait l'autre cas. L'autre cas était, par exemple, quand on a le. Cécile, ben ainsi qu'on se créole là-bas. Mais c'est moi, Cécile, ce créole, ben vous causez, les points un peu différents. Les points un peu, hein, me dit, ou la frère, là, ou pe koné qui me peut dire, ou, hein, c'est une autre façon causée, hein, une autre façon normal. Mais tandis que nous façons causer, les différents. Pourtant, je peux causer créole. Ah, mais comme un musulman, final, dans l'Afghanistan, ce qu'on appelle Sine à l'époque, il a le Turkmenistan, et finalement l'Ouzbékistan, et finalement dans l'Afrique, tout ça là. Mais est-ce qu'ils ont tout cause même arabe? Non. Ah ben là, ça soit arabe, là, il trouve qu'il y a un problème. Tension maintenant pour dire le Coran de plusieurs façons, jusqu'à sans meaning. Là, il vient que Ousmane ibn Affan, il explique Ousmane ibn Affan ça qui est chose. Ousmane ibn Affan qui fait faire, il fait demande Hafsa. Sa Coran là, un copie c'est qui là avec Hafsa. L'infirme Zaid ibn Thabit et encore les autres Sahaba, un panel qui va maintenant se faire copie Coran. Comment faire copie Coran? Tu scan? Hein? Tu scan ça à l'époque là? Tu as un appareil photocopie ça à l'époque là? Non. C'est comment il vient faire? Il vient écrire en la main. Il écrit 7 copies. Il fait 7 copies. Quand il fait ça 7 copies là, il envoie un qari. Un qari qui s'en a. Non? Un qari, c'est un celui qui perfectionne la lecture du Coran. C'est lui le Coran bien. Alors, justement, il y a un enfant qui fait, il prend sa Coran, sa copie. Combien de copies il fait, mon Dieu? 7 copies. Il prend 7 qari, il envoie dans 7 provinces. C'est 7 grands, l'endroit côté normal musulman. Il a voulu jeter là-bas pour jeter lire le Coran et jeter enseigner du moins le Coran de sa façon-là. Vous bon? Et tous les autres, le Coran, c'est qui c'est là, un bout de papier, un bout de, c'est qui tu peux écrire la peau de soi-là, qu'il en fait? Il ramasse tout et il brille tout, il finit de détruire tout pour qu'il paye une fausse copie et paye un erreur qui restait et tout le vin de sa façon-là. Alors, ça c'est. Ousmane ibn Affan, il finit faire ça, mais quand il finit faire ça, sa copie originale là, l'inré retourne côté Hafsa, radiallahu anha. Hein? Il finit retourne côté Hafsa, radiallahu anha. Bon, ça c'est un petit peu ce qui nous est là concernant Hafsa, radiallahu anha. Nous enchaînons directement avec nous deuxième. Laissons ce qui nous est là avant de terminer. C'est concernant le prophète Isa ibn Maryam. Normalement, pour tout nous dire, Isa ibn ce papa. Mais pour Isa, nous dire Isa ibn
Mariam. Mariam, c'est non son papa, hein? Son maman, qui fait, hein? Pena papa? Son maman, pas si marié. Et so, l'arrivée de la terre, c'est un miracle. C'est un miracle. Est-ce qu'il y a une petite chose difficile pour Allah, ça? Hein? Qui fait du pas difficile? Ouais, après, comment nous allons dire? L'eau dit nous-mêmes, comment nous allons dire? Oui, il y a un pouvoir, tout ça là, nous d'accord, tout ça là correct. Premier Jimoun, tu n'as pas papa? Premier Jimoun, qui ça là? Adam alayhi salam, tu n'as pas papa? Tu n'as maman? Hein? Ah ben, il partit dans le même Jimoun, Allah fin créé, hein? Fin créé un Jimoun, c'est-à-dire Adam alayhi salam, c'est un Jimoun qui dit partit là, ni maman, ni papa. So, madame, comment appelez-vous? C'est Igoné Lévlamé. Est-ce qu'il y a Hawa, il vient d'être créé à travers une maman? Non. C'est une madame avant lui? Non. Mais non. C'est qui nous comprend? Adam alayhi salam vient créé sans maman, sans papa. Hawa vient créé sans maman. Nous allons dire, on guide un papa parce qu'il est créé depuis le code de Adam alayhi salam. Isa ibn Maryam, il vient créer une maman sans papa. Il prend ça. Il vient créer pour une maman sans papa. Les autres bandes créations, les autres bandes divines, pour qui vient créer? Allez, nous, moi, je, tout ça là, pour qui nous crée? À travers une maman et un papa. Ça c'est quatre façons qui insan et l'eau la terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala li fin créer à Jimoun, c'est-à-dire ina sans maman sans papa, c'est Adam. Ina fin créer avec un papa sans maman, c'est Hawa. Ina fin créer sans papa un maman, c'est pour le prophète Isa, et il a fini créer maman avec papa, ça que ça n'a ça. C'est tout Jimoun apporte ça trois? Apporte ça trois Jimoun là. Tout Jimoun apporte ça? Ça trois Jimoun là. Correct? Le prophète, c'est dans son maman, son papa. Oui, mais son papa parti là. Il y a une chose qui est arrivée. Hein? Son papa Timo, son papa s'appelle Abdullah. Bon, Isa ibn Maryam, ça c'est déjà un grand miracle qu'il est né sans un papa. Qui m'a le miracle en cause connaît du prophète Isa ibn Maryam quand ils sont encore petit petit. Il dit causé dans ce berceau. Il pense à ce cas de là vous. Hein? Il dit causé dans ce berceau. Dans berceau c'est dans ce ber dans ce béa. C'est quand Ban Jimoun se dit, oh Mariam, ton maman, ton papa, c'est un bon Jimoun. Eh, mais toi, comment tu es capable d'avoir des enfants? Ben là, tu peux penser, ton son, il commet Zina. Mais est-ce qu'il commet Zina? Non, Mariam, alayhi salam, c'est pas une plus meilleure madame qui vient d'exister. L'eau? L'eau, la terre. Alors, Mariam, alayhi salam, Allah te dit, Ali, les bizarres? Comme un jour? Non. Pendant trois jours, il ne faisait pas causer. À ce moment, Dieu me pose une question. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille. Les fins, va acharat ilay. Les fins, montrer. Les fins, indique. Isa ibn Maryam. Ben là, qui fin dit à Manjibout? Ben, il dit, mais comment un enfant doit obéir pour cause avec nous? Mais qui est arrivé? Allah fin fait lui causer. Dans ce berceau, il fin causer, il fin dire, moi, mon prophète d'Allah, Allah sur Muhammad, les purs, etc. Il finit causer dans ce bien. Dans ce bien, il finit causer. Hein? Après ça, il y a encore plusieurs bana, miracles qui Isa et bien Mariam lui finit faire. Ça n'a qu'un encore ban miracle.
Quand tu disais ce bâton, la mer est ouverte. Non, mais c'est erreur. Ce n'est pas le prophète Isa, c'est le prophète Moussa. Pas faire non, il dit bon, Seigneur. Il dit bon, quand les enfants font erreur. Il dit bon, pas bon. Qui fait le bon? Parce qu'après, il n'est pas pour faire. C'est erreur là. Allez, l'autre. L'infirme, il dit bon, avec trouver. Il dit bon, qui passe pas trop clair, ça, mais. Pour pire, M. Allah, subhanahu wa ta'ala. Banna, banna fin trouvé encore. L'infer, ban zoazo, ban fon zoazo en la terre, ensuite, sa man zoazo la fin vin zoazo, ensuite. Ban mo, ban jimoun ki fini mo, bon, 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 gato. Ban mo, ban jimoun se ki ti mo, ti fè zo tre, revive après. Non, papillon, zoazo, c'est dire. Allez, il y a un autre encore. Sourat numéro 5 du Coran. Bon, allez. Allez, tiens, tiens. Allez, premier sourat qui dit. Premier Al-Fatiha. Deuxième Baqara. Troisième. Ali Imran. Quatrième. An-Nisa. Cinquième. Al-Ma. Al-Ma'ida, qui fait ça sur la fin appelle Al-Ma'ida. Ma'ida qui veut dire? Non, pas la cousine. Dans la cousine, elle a dit, c'est le bon. Elle la table, non? Oui. Normalement, elle la table qu'on appelle la table en général. Maktaboun. Mais elle la table qui n'a mangé l'eau là, on appelle l'ima? Ma'ida. Ma'idatoun. Ma'idatoun, c'est la table qui n'a mangé. Alors, je me viens de nous autres, ça t'y, qu'on appelle les types là. Qui sont les différents? Qui miracle? Non, pas si vous mangez. Non, c'est bien la table là, non? C'est ce peuple qui dit, est-ce qu'il est capable de faire la table manger, descendre depuis l'eau les ciels? Les halal, il fait un doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui, au Allah, enzil ma'idatan minasama, qui descend, en la table remplie de manger, l'eau là. L'eau là, ça c'est ban miracle qui Isa ibn Maryam, les fin fait. Maintenant, un autre miracle encore qui fin arrive, lui. Qui miracle? Qui miracle? À la fin? Non, la table mangée finit. À la fin? Et les vlis qu'on ban juif, tu peux retourner? Qu'on ban juif, tu peux retourner? Tu lis, c'est-à-dire les fins, comment appeler? Les fins être enlevées. Et Issa ibn Maryam, qui nous faisait croire qu'on s'est en lit? Il y a encore vivant côté Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala pour retourner l'eau la terre quand? Hein? Quand Qiyama pour près, quand Qiyama pour approcher et se descendre depuis l'eau les ciels pour venir l'eau la terre, c'est des anges qui pour prendre l'eau pour descendre. Comment ça c'est qui dit ça? Un parmi ban? Grand signe Qiyama, un premier grand signe Qiyama. C'est quand Isa ibn Maryam peut descendre pour descendre la terre, c'est Qiyama, il est bien pris. Quelle différence il y a entre un grand signe Qiyama et un petit signe Qiyama? Lève la main. Toujours les mêmes, les autres. Farhan, pas répondre. C'est-à-dire, un petit signe Qiyama, c'est-à-dire, un peu plus longtemps, tandis que grand signe, c'est la plus petite les temps. Correct. Hein? C'est-à-dire, quand il y a un grand signe, il descend, c'est-à-dire, très très vite, nous pouvons gagner un Qiyama. Juste après mon grand signe. Moi, mon grand signe fini. Tout mon grand signe fini, qui va arriver?
Non, tu sais, il finit comment ça arrive. Ben, type tissé, premier petit signe, c'est l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait un type tissé en Qiyama. Parce qu'il y a un dernier prophète, après il prend encore le prophète, pas pour rien. Allez, il y a une cause là. Quand on peut dire, après il prend un prophète, mais le prophète Isa pour descendre. Mais prend un prophète après lui. Ouais, c'est-à-dire, le prophète Isa, il ne descend pas en naissance depuis avant. Deuxième, le prophète Isa, pas pour venir avec un nouveau message, un nouveau din, un nouveau sharia, un nouveau législation, il n'est pas pour venir. Qui s'en a sur législation, prophète Isa ibn Maryam, il peut suivre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cause ça même, il fait mention que le prophète Isa ibn Maryam de Bouvidi, il vous crase tout ban. Ban à quoi? Il vous tue ban cochon. Il vous fait du monde ado Allah seul. Ou ado Allah subhanahu wa ta'ala seul. Hein? Et le prophète Isa ibn Maryam, ce qui nous connaît, les gagnent un livre. Quel livre les gagnent? Non, parce qu'il y a un Coran. L'Injil. L'Injil de nos jours, on appelle la Bible. Mais la Bible, est-ce que ça même ça, l'Injil, là, ça? Qui fait pas lire ça? Comment nous connaît maintenant fin sens la Bible? Comment nous connaissons falsifié? Parce que plus grand preuve, c'est qu'il nous est là, ben chrétien, je peux en celle la Bible. Je dis non? 4 éditions la Bible. Mais là, 4 éditions, c'est 4 qualités la Bible. Quand nous prenons sa 4 qualités la Bible là, qui est-ce besoin d'aider? Tout besoin pareil. Mais seulement en vérité, comment aider? Différent. Par exemple, dans un chapitre, dans une édition, il y a 30 ayat, 30 versets. Dans ce même chapitre, dans une autre édition, il y a 20. Dans l'autre édition, il y a 50. Ah, mais si ça est vrai, mais lesquels qui est vrai là-dedans? Astéa, nous voyons un chapitre, pareil comme un surah, 114 surah de Coran. Dans la Bible, ben, le chapitre c'est qui, non? Dans une édition, capable, il y a un nombre, dans l'autre édition, il y a plus de tickets, dans l'autre édition, il y a plus beaucoup. C'est-à-dire, tout ça là, fin sans sensé. Et qui fait le fin sensé? Parce que la Bible, première qui chose, ben, chrétien, ben, personne qui dit, enfin, pas chrétien, nous disons un musulman qui peut suivre le prophète Isa ibn Maryam. Ben là, je parti mémorise toute la Bible. L'écriture, pareil qu'on nous dit, hein, Coran quand il compilé, dans l'époque Abou Bakr, et à l'époque Abou Bakr, c'est quand? Juste après la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et juste au commencement, qu'il y fait ça. La Bible, quand il commence, compilée. Beaucoup de temps après qu'il finit compile, qu'il finit écrire premier là, la Bible. Et la Bible, quand il finit écrire, ça va être Jimoun qui finit écrire la Bible là, je finis écrire elle d'après cette interprétation. C'est-à-dire, il y a une parole qui est vraie même. Dans la Bible qui nous est là aujourd'hui, et il y a certaines paroles qui sont paroles, Allah n'a pas de doute là-dedans. Mais il y a une parole, qui sont ses paroles? Il y a une parole du prophète Isa, il y a une parole du compilateur de sa la Bible, il y a d'autres paroles. Mais comment nous sommes capables de distinguer? Comment nous sommes capables de distinguer? Il y a une façon de distinguer. Si nous trouvons une petite chose dans le Coran, nous trouvons dans la Bible, si il y a une, qui nous dit? Il est possible ça, ces paroles Allah. Mais c'est une chose qui contredit le Coran. Nous disons ça, c'est
li pa kapab parol Allah nou pa konnen alors a kozan est-ce qui nous capable base de la Bible aujourd'hui nous pas capable base de la Bible bon Isa ibn Maryam li di fin vini hein par exemple il a place dans la Bible même de la Bible dit qu'il nous besoin prier c'est lui qui l'ouvre les ciels hein c'est lui qui l'ouvre les ciels mais Isa ibn Maryam Zami, qui appelle Zami, lui fin dire mon papa l'ouvre les ciels. Isa ibn Maryam, Zami lui fin dire mon papa l'ouvre les ciels. Zami lui prend sa chose. Mais dans la Bible que nous vous trouvez, bizarre invoque les pères qui est au ciel. Est-ce qu'il est possible qu'Isa ibn Maryam fin dire ça? Impossible qu'il fin dire ça. Alors ça manque quitte chose, ça n'est pas correct. C'est un malade qui veut dire ado, c'est lui qui l'ouvre les ciels. Du vrai pas vrai. Mais c'est dire ado mon papa qui l'ouvre les ciels. Est-ce que ça vrai? Ça n'est pas vrai. Hein? N'est pas vrai parce qu'il Isab de Mariam du pays n'a papa. Moi dit clair. Et même man comment venir? Même man chrétien, je dis à qui c'est un miracle. Hein? Naissance de Isab de Mariam, c'est un miracle. Mais seulement je attribue qu'il est le garçon d'Allah. Je dis à qui, soi-disant, les garçons Allah. Garçon Allah, mais au fait, il n'est pas garçon Allah. Et ça, c'est un grand erreur qui m'a chrétien se faire. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on étudiait la première leçon qu'il étudiait, Allah li unique. Allah li pena, li pena maman, papa, Allah li pena enfants, li pena madame, li pena aucun, li pena personne. Allah, subhanahu wa ta'ala, li seul. Hein? Allah lit unique. Et Isa ibn Maryam, tous les temps, il fin enseigne pour ado Allah. Et Zami, il fin enseigne pour ado. Pour ado li, ou ça ado soma. Ado soma, ma, par exemple. Il y a une place dans Maurice qui s'appelle Marie-Reine de la Paix. Hein? Mais il y a cette statue là-bas. Il y a une statue qui s'en a. Mariam, hein? Mariam, Marie. Mais nous connaissons qui ni le prophète, ni Mariam alayhi salam, je finis dire ado, je n'ai pas aucune place qui m'a finir ça. Et le prophète Isa ibn Maryam, il finit, indique qu'il peut être un prophète, un dernier prophète qui peut venir après lui, il finit prédire. Hein? Et Isa ibn Maryam, c'est qui lui, quand il peut venir, quand il dit, dans la dernière époque, quand il peut venir, qu'il peut faire? Il peut tuer Dajjal. Il peut tuer Dajjal. C'est Dajjal qu'on peut trouver. Dajjal, il peut sauver après qu'il peut le faire. Dajjal pour le fun. Il peut le fun. Mais avant le fun, Isa ibn Maryam pour avoir un flèche, un spire. Je me rappelle exactement qui c'est là. Il peut avoir un flèche, un spire, il peut envoyer et pour gagner un lance et Dajjal pour mort. Hein? Dajjal pour mort. Isa ibn Maryam, il peut venir, il peut marier, il peut avoir un enfant. Hein? Ça, c'est une réalité, ce qui est là. Et dans dernièrement, certains membres du monde finissent dire, l'église finit dire qu'il soit disant, Isa ibn Maryam, il est marié avec, si vous ne me trompez pas, une madame appelée Madeleine. Soi-disant, il y a des enfants tout avec lui, mais tout cela c'est faux. Tout cela c'est faux. C'est comme un juif, type galoupe de Yéli. Un juif pas si content, hein, pas accepter ce message. Alors, un juif fin retour lui. C'est comme un juif fin retour lui. Allah subhanahu wa ta'ala fin élève lui le ciel et fin met une autre personne qui ressemblait à Isa ibn Maryam. Et maintenant, je finis mettre l'eau la croix et je finis crucifier l'eau la croix. Alors, c'est lui qui est dans l'eau la croix, c'est pas. C'est qui m'a un juif qui met l'eau la croix, c'était pas. Et Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, un chrétien, je t'appelle lui comme Jésus. Hein? C'est nous aussi, nous avons un grand respect pour le prophète Isa, pour Jésus, mais pas de façon, c'est qui m'a un chrétien, je t'appelle là. Hein? Et un surah, si nous envie à lire concernant Mariam, concernant Isa alayhi salam, donc qui surah? Non? Il y en a, bout.
Mais dans Surah Maryam, surah 19, si nous allons lire, nous vous trouvons ça. Alors, je termine par la même pour aujourd'hui. Inch'Allah, demain, nous continuons. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.